Batata, ba mama, bandeko basi pe mibali, esengo mingi ya kukuta la misu na mokolo ya lelopo na kolobela. O etali, nouveau numéro ya magazine na bino bolingaka mingi, le parcours. Lelo, toyambi bongo moko ya ba autorité ya mboka oyo, particulièrement na commune ya Bumbu. Ye azali bongo bourgmestre adjoint, abengami na kombo ya Yves Mandika. Excellence, oyeyi na magazine le parcours. Merci Botondi, la zone qui s'est matondo, nandenge oyambinga lelo nakati ya etando eke, surtout nakati émission nabino le parcours oyo ezako sala ke bakinwa balanda yango kuna koyeba ndenge nini bakambi oyo bazoko kamba mboka na biso bauti pendenge baza ko kende liboso. Merci beaucoup. Le collège la commission na biso avant to kota na mozindo ndeto ko senga d'abord na régie apesa biso découverte au Tobengi portrait ya excellence Yves Mandika Peto Kozonga Sima. Le nouveau numéro du magazine Le Parcours de cette semaine reçoit le bourgmestre adjoint de la commune de Bumbu, excellence Mandika Munga Yves. Fils de papa Mandika Tade et de maman Mangalibi Marie, tous de la nationalité congolaise, licenciés en relations internationales. Que pouvons-nous retenir de son parcours? Excellence Mandika Munga Yves a bâti plusieurs activités qui lui permettaient d'atteindre ses objectifs jadis bien assignés, notamment dans les activités paramilitaires où il fut un des éléments de la police nationale communale, escadron Gombe, de 1997 à 1999. Il suivit une formation paramilitaire en force d'autodéfense populaire au camp Kibomango de 1999 à 2000. Dans les activités administratives, Excellence Mandika Yves avait été désigné agent vérificateur à la commune de la Gombe de 1999 à 2012. En même temps, à la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, il jouait le rôle de vérificateur des impôts de 2011 à 2019 suite à sa capacité en matière administrative après une formation réussie. Grâce à ses compétences, il rejoint la Chambre politique où il fut nommé en 1997 président de la jeunesse FDL Gombe. Il assuma encore la fonction de vice-président communal du CPP Gombe de 1998 à 2002. Il faut retenir que de 2003 à 2018, il a été secrétaire exécutif communal du PPRD Gombe et candidat député national à la circonscription de la Lukunga aux élections législatives de 2011 et 2018. Son parcours avait pris une élévation rapide suite à ses aptitudes idéologiques et rigoureuses. Excellence Mandika Yves fut devenu le conseiller privé chargé des questions politiques de son Excellence Madame Thérèse Olenga Kalonda, ministre provincial honoraire de l'éducation, environnement et communication de la ville province de Kinshasa de 2010 à 2018. Déterminé, rigoureux et motivé, ce dernier de 2021 à ce jour est devenu un des hauts cadres de l'Agence congolaise progressiste, l'ACP en sigle, et coordonnateur national de l'ASBL, le fidèle de Jean-Tiningo Bilambaka, l'actuel gouverneur de la ville province de Kinshasa, la capitale. En outre, étant amoureux de la vie culturelle, Mandika Yves est grand mécène de la culture et religieuse, croyant pratiquant, chrétien adhérent à la cause et culture kimbanguiste, dont le siège se trouve à Nkamba. Marié à Madame Bola Bernardine et père de plusieurs enfants, Yves Mandika Munga, de 2019 à ce jour, est notifié comme bourgmestre adjoint de la commune de Bumbu par l'ordonnance présidentielle de l'année précitée. Un adage dit, je cite, on reconnaît un bel arbre par ses fruits. Un exemple à suivre.
Excellence, yo ozali bourgmestre adjoint ya commune ya Bumbo. Tosolola ki na yo depuis 2019 bakondi particulièrement son excellence le président de la République petoyé na excellence le gouverneur ya ville Kinshasa Gentil Ngobila batiaki yo na commune ya Bumbo comme bourgmestre adjoint. Est-ce que ezala ki bobangi to mona ki penza ko ozala pe capable ya ko affronter ba définir son commune ya Bumbo. Merci papa journaliste pour la motuna na yo. Koko mananga yi bourgmestre et adjoint ezalaki penza bobangite po nazalaki déjà préparé na makambo wana po koko mananga bourgmestre adjoint ezali azarté nami lengela ki vraiment en conséquence ndenge tata nzambe na likolo asalaka makambo na ye akokokisa pe posa ya motema nanga ye. Donc tant on a yaki nazalaki vraiment à l'aise mais moi comme tu nous samuke zalaki kaka ndenge nayaki na commune à Bumbu et que image tu zai kozoya commune à Bumbu tant tu zaki na libanda izaki image na zo monelo na kata commune à Bumbu te. Donc cela veut dire que Bumbu mingi mingi ya population bazaki kanisa loko les zarato zamba moko tu ezai sika moko boye penza eza reculé mais nayaki découvrir que Nzambe nda lingaki ya tindanga na commune ya Bumbu pour na koyeba ko apporter un plus par rapport ya connaissance au nazali na yango. Merci bobangi ezala kite na ndenge opesi yango malamu. Mais avant to kota penja na mozindo pendant 2 minutes to 2 minutes 30 secondes pesa biso mwa moke historique ya commune ya Bumbu esika ozali kokamba. Oui, commune ya Bumbu ezali commune oyo ndenge ba commune nyonso ezali esalamaki na arrêté ministériel c'était en 1968 mais baye ko confirmer penza délimitation ya ba commune na 1969 comme commune mais avant ko ma commune ezali mabele moko oyo avant indépendance 3 ans avant indépendance bakabola ki mabele au Kabul ezaki au Kabul la penzate ezaki opération o babenga ka sangoloza donc sala makasi na yomoko pozo mo eteni ya mabele yango ko mona mingi bande ko na biso ba otaki na province ya Congo central mingi mingi bande ko na biso bantandu pe na bande ko ba otaki na province ya Grand Bandundu mingi mingi bande ko na biso bayaka yango ko mona mingi na commune ya Bumbu tozali mingi na ba deux tribu wana de wana 320 indépendance donc 1957 1957 nde milulu wana salamaki ya ko kabola mabele donc mutu na mutu azwa ki tenya mabele yango esalaki na tango wana commune za vraiment urbanisé te po mutu na mutu azwa ki na ndenge na ye mais commune ya Bumbu ndenge to yebi e zui kombo nango na kati ya mayi oyo uti na kote ya mboko to zobenga sanatorium e za rivière Mpumbu alors tango ye katisi po kende ko kuya na maya kalamu nde traversa ki ba quartier na biso loko la quartier Mfimi quartier Mongala na ndenge ki ko bima na kote to bengi elenge sawana donc kombo nango ezala ki rivière Mpumbu mais ba benga ki yango Mbumbu par rapport ya prononciation mais la langue tango ba ko confirmer yango comme commune nde ye ko za kombo ya Bumbu donc c'est ça commune ya Bumbu pe commune yango ya Bumbu avant et comme ici que ça les lois quand on a ça la musala et mais qu'est-ce que tambola les tambola qui mais et que sous quand des comme appelé la municipalité n'est-ce que basé que benga sinalco ils ont là qui a monsieur Aladef ils ont là qui mais c'est basé que ça la bah limonaderie des tangos y a que kindé bah y a que c'est un gros na commune et commune y a que tia siège na y a un endroit où ça na tilélo. Alors excellence toko tesiko na mozindo yo ozali deuxième personnalité ya commune ya Bumbu donc soki ozali ko kamba ki chaso ozali lokola vice gouverneur alors commune ya Bumbu ndenga uti ko loba mingi babandaki ko kanisa yango ezala ko dire rekile to boye boye mais na kota la Bumbu ezali riche mais ndenge nini eza pauvre. Oui, ko loba ke ezali pauvre c'est une façon de dire qu'ils a pauvre d'abord ils a riche parce qu'ils ali entité oyo ezali na personnalité nango juridique. Donc tout ça a pouvoir ya ko créer ba richesse na biso moko mais ceux qui ali pauvre ezali mansusu par manque ya ba initiative oyo isengela ki population aye ba kozwa pona ko valoriser commune na yi
comme on a été commune à Bumbu, ils avaient un moins retard à Makambubele, c'est-à-dire que tout ça vraiment dans l'infrastructure et à Makacité, de tout le monde à la commune Moussous. Donc, Sengela qui, la bisomoko population à Bumbu, tout va se prendre en charge pour n'accueillir pour valoriser commune à Bisson. Hein? En soit, commune ils en ont vraiment pauvreté, pour ils en ont la potentialité belé. D'abord, potentialité à Libosu, ils ont la population à Yemoko. Tous ali na ba notabilité à Makasi, tous ali na ba personne ressource à Makasi. Oyo ba ko kipe le losu ba lobi ke ba se ko se concentrer sur commune à Bango, notamment bandeko bazan na ba diaspora. O comme on a ki commune à biso vraiment et ko za ba lure moko penza oyo biso moko to kokam. Ah, excellence. Oyebi na eloko nyonso et sala kana ma blocage moko pour développement et salama. Mais nini penzaza ko freiner o ezo sala ki ma belé na yo est-ce que vous allez mokonzi et ki ndependza libosoté bon elo ke za ko freiner commune ya Bumbu et ki ndé libosoté d'abord ezali prise de conscience ya biso moko population poto yebi une commune to une entité et se développe ka par rapport ya ba taxe na ba redevance mais tout ça dans la culture moko ezali insufflé dans la commune à Bumbu par rapport il y a une certaine personne catégorie à bateau notamment bazo benga bango ba syndicaliste ba sala que ba mekampé ko pé sa population na biso li kantia mabeke ko futa pas qualité za mabé soki na commune à Bumbu ko mona ke loko to benga la loko la taxe professionnelle annuelle ou to bengi TPA et futa makaté alors pour na ko développer commune zo senga misolo. Alors, ce qui est commune, c'est que la commune de Bumbu est que se développe comme un bambongo et un wenze. Au moment où vous avez un passé, vous avez un wenze, vous avez un wenze, vous avez un wenze à Selembao, un wenze à Libération, vous avez un wenze à la Bumbu. Et que vous avez un wenze à la Bumbu, et que vous avez en charge de la communauté. Pour la commune, notamment, vous avez une priorité. Donc, il faut que ça soit bloqué. Et c'est que la population de la commune de Bumbu a conscience. Pour le développement, pour les gens qui ont fait développer la commune. Ceux qui ont conscience, soit la population a conscience, soit la vie, n'a pas l'État, n'a pas l'État, n'a pas l'État, n'a pas taxe. Donc, comment on a fait la taxe, on a permis de faire entreprendre le projet de la commune par rapport au budget. Pour la commune, qui s'est développée, quand on a fait la bambongo, il y a une rétrocession de TBA, bon, ils ont fait un peu difficilement, mais. Et c'est là que tu as la source, il y a auto-prise en charge. Et pour ça, Bisso, en tant que Kambi, la commune, il y a Bumbu, tu es là pour faire développer par rapport à l'apport aux populations de Bisso à Koyeba, pour faire ça, pour faire ma boko, pour tout le monde. Mais aussi, ça signifie que Moro, qui dirait, la taxe, ou la mine, la foutre, c'est que vous avez une rivière, que l'autorité pénétrée, vous avez une population bumbouroise, et vous avez ça qui moi. Et Zali, écoute, le Cambouya qui dit, parce que la rigueur y est, on dit que la force reste à la loi. Mais nous sommes des autorités politico-administratives. Bon, Makambu, il y a l'État, ceux qui sont politiques, comme ils ont été en Akati, auprès de la population, ils ont été en Akati. Je parle bien de l'intoxication. La population a été intoxiquée, que les gens ne sont pas à taxe, pour que les gens ne sont pas à taxe, ils ne sont pas à commerce, ils ont une autorisation d'ouverture. L'autorisation d'ouverture, ils ont un balamoko. Dans quantité, dans les années 60, on a moins qu'il s'est déplacé. Mais, tant qu'on a autorisé l'ouverture, c'est qu'il peut avoir une taxe annuelle ou pour la taxe, il y a toujours par rapport à un service où la commune a rendu le bango. Bien sûr. Mais alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une taxe. Et que, bien sûr, l'État, ce qui est le but, tient ma boko, au moment où il y a une commune qui a parqué, une commune qui a fait une négociation par-ci, par-là. Alors, tout ça, c'est la peine de dire qu'il y a une. Et de tout le baraki des droits, donc haute hiérarchie, à mes campés, qu'on fonde la mise sous, pour bien qu'on planifie, qu'on clarifie les Cambouana et la taxe professionnelle annuelle, où ils allaient manquer à gagner, surtout pour la biseau communauté pour fonctionner. Ce qui est le bito qui est dans la ndenge à ma casse, c'est comme à Keno, l'État commis au Nyokoli, l'État commis par rapport au comportement, il y a un des conabiso, basali opérateur économique, baso lingate, qu'on rendre ascenseur et pas y a biseau tout ça qu'on administrer. Bino obozali kolanda biso partout lelo tozo lobela sur le désenclavement ya commune ya Bumbu ndenge nene koyeko zo développement ndenge nene mingi bakanisa kake ezalaka ya se or ezana ngona niveau ya likolo ba kritika kayango mais mingi bazotika balingwala
bagombe bazoko tonga banda kuna bumbu elingolo bake donc bumbu za déjà na développement moko oyo ki mingi pe bazo rêver nango. Alors excellence, depuis 2019 ozali mokonzi na kati ya bumbu 3 ans déjà pe sa biso nono mokie parcours na yo pe ba port palpable nini, c'est-à-dire que positivité ton négativité nini oyo déjà bana pe ya bumbu ba moni surtout positivité ba mona raki ah bourgmestre Yves Mandika déjà apporté boyé banda ayé na commune ya bumbu 3 ans passés. Merci pour la motuna wana. Na parcours nangai en tant que bourgmestre adjoint ya commune ya bumbu, d'abord ce n'est pas par hasard que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, Gentil Ngobila Mbaka, a jeté qui dévolu na Surunga et qui a présenté en groupe à Mokonzi Mboka, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour être bâti en gagne Sikawana. Alors, nous avons une mission où il s'agit de l'accueil pour accomplir. Mission est de bosser au Yongaï dans la commune à Bumbu, ils allaient de Kambouita dans le développement de la commune à Bumbu. Comment faire pour développer la commune de Bumbu? Donc, nous avons na apport moko managérial. D'abord, comment vendre ma commune? Dès la lobby ni boso ba basé ko se ko kanta ke bumbu za commune moko ezali ya sima. Metan utoyé to meki un peu ko longo la bande ko ma complexe moko boye o baso ko ko za nango par rapport à commune à bumbu. To moné ke commune à bumbu c'est une commune comme toutes les communes. Pour preuve, to za commune moko to za li pembe ni centre-ville. Pour la commune, nous sommes qui na ko tanga ba kombo neti ba commune yo eza mwa kwa côté aéroport kuna na biso na ki na commune na bumbu poko mana kati ya ville suffisamment transport moko commune na commune na ville na commune ya na centre ville. Donc ce qui veut dire que nous a déjà commune singela ki tozo rapé mwa ba exemple mingi zo tanga ba commune ezali tozo ba un peu développé. De deux, na mission na ki yango eza makambo ta di salubrité assainissement ya commune ya bumbu. Je crois que j'ai révolutionné beaucoup de choses par rapport au plan d'action à Kinshasa Bopeto. Je me suis impliqué totalement dans ce qui deal naba chef de quartier et puis naba chef de rue surtout. J'aimerais valoriser mon salaire à chef de rue. Donc j'ai essayé d'organiser les chefs de rue. Dans la coordination de la chef de rue, donc nous avons 13 quartiers. Et bah rien sur ça chef n'ango de façon que bah il va vraiment au quotidien ma cambouita de salubrité na kati ya ba commune na bango puisqu'on dit que un corps sain dans un esprit sain donc c'est ngela qui na libuso ko assainir ma bien na biso ya bumbu et là il avait l'implication de tout le monde pour nangai moko na kokosa la ngoti pour na za magicien ti donc c'est ngeli nangai ko sangana ensemble na population nangai au bazali représenter na ba chef de rue pe na ba chef de quartier pour na ko influencer bango en tant qu'influenceur pour te musala ya salubrité sa na commune ya bumbu pe ya misato zaki sur le plan sécuritaire na banzi na tango surtout ki na 2019 to kuta ki pe likamba kulu na ne zaki ban pleur moko makasi ne na kuta ki ndeko nanga zaki sur place zaki moko alida oti banda on a pese mbote sika zaki na monga fula na ti ko appuyer ye ensemble na commandant la police na biso ya commune ya bumbu na ba service nyoso pour na komeka un peu kota la likambuana parce ngai pour votre information nazali muto nazali formé comme je dis que je suis préparé à ça je suis un paramilitaire donc j'ai cette formation yango fala ki koyeba kote yango vraiment en application donc nous avons vraiment essayé approche wana liboso ya komeka ko dissuader bango et puis une approche wana sociale ya komeka ko rencadre ko encadrer bango pe ko komeka ko réinsérer bango na kati ya sociale et ça va dire que kulu na penze kitaki makasi marque que moi mikolo mi balesa le rôle zonga mais en tout cas était apport moko vraiment palpable pa population que tango nga na ki na commune Bumbu likambo ya kulu na vraiment na soutien ya ona lobi ya zeki di boso na ngai to bundaki pona komeka penza ko atenu yango et qui makambo ne sila okomona kibiso na bumbu ataba lo ba de fois kuluna me kuluna zota na ngambo est na biso do sokati lengi sande mona kuluna za kuna makasi pour preuve bouclage de sala mikolo bazé ko sala ba bevi na bango so balongwe kuna ba ko sala ba bevi na komi na bumbu aso ba sali ba forfait na bango ba okimambango bazonge pa ibazala kuna pour biso to na cadre ya compétence territoriale on veut pas les poursuivre ti na kati ya commune iza na ngambo lengi sa wana pour na kulanda bango donc voilà un peu moi babilo ko isala mi en ko sur le plan il y a la population mais excellence oui. Et puis que
mokonzi labino atali vila Kinshasa, Excellence Chantini Ngobila. Apesa kaba 10 000 $, moko situ bumbu za munene makasi penza te, na bakomeni presque nyonso, pona oba bengi salubrite kini bopeto. Me, soki totali bumbu za ka salite, eh? Si lelo, parapona ngolo biki, wosangisa ba chef de quartier, ba chef de rue, maipe, une grande partie ya bumbu lelo, eza susu na maite forage, komi na bumbu alor ke zalakate. Meto onzolo bilanga ba port palpable awa. Est-ce que vous avez pensé que les bumbura bazoula ne baza convaincu? Mais par rapport à Yambongo lobi 10 000 $, 10 000 $ c'est bien bon, mais c'est rien par rapport à la commune de Bumbu. 10 000 $ ça représente absolument rien. Mais on a essayé quand même de faire quelque chose pour n'attendre une rétrocession aux Aïe Gobi. Quand on parle de 10 000 $, c'est-à-dire rétrocession aux Aïe Koya. Hein? Bon, moi je ne suis pas là pour porter un jugement. Na bande ko bazali ko na biso ba yebi pou ko eza ko yate, mais ça fait un bon bout de temps oyo mbon oyo ka soute et puis comme ko sala musala ba moyen na biso propre ya commune pou eza yamiki mais tant mbon oyo eza ko ya, on a senti quand même tous eza ko louer ba camion ba tracteur na ba pelle pour na ko comme ko sene commune na biso. Et puis une chose aussi, on doit pas voir ces matomo na ka ba 10 000 $. J'ai dit que bopeto c'est d'abord le civisme. Et ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que je suis en train de faire des choses. 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 Je suis conscient que, tant que je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des de tous ces engagements de la bique, de cambouya pédagogie ou en écoute en amitié la population, pour des tobi bisomo koto ça la terre, mais avec appui, il y a toujours conscientisé plus population la biso, bah ya en appui la commune pour toi assainir commune la biso. Nous on donne seulement l'impression de tobi tous ces influenceurs, tous ces qui ont influencé commune la biso, bah population la biso, bah côté en la culture ou en ya propriété à bopeto. Mais moi je vous dis que ce côté na bumbu par rapport à la commune, nous sommes comme une commune avec les bumbes allées propres. Tu peux être dans la zone, il y a moins de salité, mais en général, ce que tu as dit, commune à bumbes allées parmi la commune, ce que tu as dit, c'est la population, mais comme tu as dit, pas une bumbu. Parce qu'aujourd'hui, bumbu, depuis que nous sommes là, tu comme si bumbu vivable, on approche la vie sur managérie. Macadam, il y a ce côté, est-ce que tu as dit, à port, il y a un peu d'excellence, ville à Kinshasa, de moto. À ce sens, en tout cas, merci beaucoup. Na... Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Otobenga Kaye, affectueusement, Moukwa Tombolo, Fachi Béton. En tout cas, ils ont apporté au Libiso par rapport à demande de Nabiso. Oui, moi j'ai participé à une réunion, à niveau de la ville, parce que Nabiso Topé, ça va artère dans le cadre du projet Chile Gelou. Dans le cadre du projet Chile Gelou. Il y a un peu de temps pour me conduire à ça, pour me désenclaver. Comme une abysse, il y a un peu de temps pour me conduire à la centre-ville. Pour la régie des eaux, il y a tout droit, comme une Willeri, comme une Bayaka, comme une commune, vers ce qui est manifeste, au Bouki, dans le Boko Mobali, au Boko, il y a le 24 novembre, il y a un peu de facilité pour me découvrir à la côte, à l'IPEN, à mon gars. Capital, il y a un moment qui est direct au 5 ans qui nous contient beaucoup, le collège a un mot à Yuka, la population a été créée pour répondre à notre promesse de la Salaka. Il y a un mot qui a lancé des opérations à Sosa. Maintenant, pour dévancer, il y a un Sosa qui est un projet. Côté on a Koya, parce que l'ingé déjà dévancé, mais on a retourné au Motunawana. Excellence, climat de confiance, nous en avons particulièrement d'abord dans le bureau de Kubandana. Titulaire, les restes et administratifs, et population bomboroise Mobimba. Oui, en tout cas, côté climat, sur le bandit Nangaïna, au Yazaïa, au bandit à commune, titulaire, mais tout le bandit français, aussi qui ou à Mampunga, ici Kazali, la PCP Motelanga, en tout cas, climat, ça dit comment tu tombes. Parce que de toute année, ils sont sur les jeunes. Et que les choses sont inspirées, l'esprit est managérial. Donc, ça dit que tout le cas, ça a vraiment été le même moral pour le développement. Pour tout le monde qui est vraiment divisé, ils ont pris la perte.
Alors, par rapport au tempérament, on a dans la canabo, on a dans la écoute, il y a ma casse. Et ça, c'est que, on a dans la salle de Bosson, on a tous les malades. Pour la courir, par rapport à l'administratif, il y a commune et monde. On a posté un ayo, autant pour sa micro-baladeur, au lieu que l'ingé nous enfant dans l'administratif, on a dans la commune. En tout cas, le climat est bon. Population que tu peux le battre parce que les amis, le coup, la tempérament, la carte, il y a bien le panel. Donc, il y a ma confiance, ma complicité, complicité entre les bourgmestres adjoints Yves Mandika, la population Yaboum. Parce que ceux qui basent la Likambou, basent la préoccupation, en tout cas, bah, on travaille sans audience. Voilà comme ça, les mots c'est la promotion n'ayo peut-être pour profiter n'ango. C'est que normal parce que nous sommes dans un monde conduit à battre. Nazam conduit à battre. Donc c'est que nous allons dans la écoute la population là bas et dans la proche. Moi les gars nazam on va bien un homme de terrain. Je passe le plus de mon temps sur terrain, dans le quartier, dans la avenue, pour n'envoyer bas quelles sont les préoccupations majeures de ma population. Et dans cela, on va aller mieux avec le peu de moyens que la commune dispose pour des fois pour m'attraper, rapport et pas à la messe, pour agir dans un bref délai, de façon que la commune a vu ce bumbo, dans les cours, va se sentir à l'aise. Il y a un moment où la population a tout ça qui est un climat de complicité. Alors, excellence, Yves Mandika, bourgmestre et adjoint à la commune à Bumbu, la ville province à Kinshasa, la capitale. Alors, tu as en régie juste pendant quelques minutes. Tu as moi quelques éléments où il y a des preuves palpables, positives, via excellence. Le vice-bourgmestre de la commune de Bumbu, qui a toujours mis le bien-être de ses administrés en priorité, a visité quelques avenues de la commune de Bumbu, question d'avoir une idée claire de l'état des différentes routes après une série de pluies diluviennes. À noter que ces actions entrent dans le cadre de rendre la ville propre, ainsi d'entrer dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'opération Kinbo Peto, initiée par le premier citoyen de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, le vice-bourgmestre de la commune de Bumbu, Yves Mandika, a été invité pour s'imprégner des travaux réalisés par cette ASBEL. Le vice-bourgmestre de la commune de Bumbu explique. Oui, si je suis aujourd'hui sur le terrain, aujourd'hui c'est une journée qui est fériée, comme on dit journée payée chômée. Je suis venu accompagner l'ASBEL Bumbu Yabana Yabumbu qui est dirigée de paix des bêtes par Madame Sophia. Donc je suis venu les assister à cette opération de Kinshasa Bopeto. Donc ils se sont déterminés de descendre sur le terrain et de prendre les choses en main. Donc il fallait qu'on puisse aussi donner un coup de pouce par rapport à cette initiative qu'ils ont eue de descendre eux-mêmes sur le terrain, sur fonds propres. Donc ils ont fait ce qu'on appelle le volontariat ou le bénévolat. Donc c'est vraiment un exemple à suivre pour toutes les autres associations qui sont surtout dans notre commune, dans notre juridiction qui est la commune de Bumbu, de suivre le pas. Il ne faut pas toujours attendre que la commune puisse faire le premier pas, mais des fois, c'est à vous aussi de vous organiser, comme celui qu'on a fêté hier. Je dirais, Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a dit que organisez-vous, prenez-vous en charge. Donc aujourd'hui, j'ai vu que notre ASBEL, Bumbu Yabana Bumbu, se sont organisés et se sont pris en charge pour essayer d'assainir cette avenue qu'on appelle l'avenue Gambela, où nous trouvons un marché qui aide aussi la population qu'on appelle le marché Mousselou. Donc, ils sont venus sur le terrain pour essayer un peu de faire le bopeto et d'enseigner aussi à toute la population avoisinante que l'assainissement, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des associations, mais nous devons tous nous impliquer pour rendre notre ville plus beau, plus propre, comme le veut notre gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka. Alors, Excellence Tozongi, Tozalina Mwangonga, stratégie nini oyo bozana ngo pona ko réduire mwa mukie o bazo benga pauvreté na commune ya Bumbu lengo lobiki bakanisaka Bumbu eza boye men to kandeza nango boyete ba stratégie to koza nango comme j'ai dit centre de développement commune
que pour nous, la mission pour nous, pour le cadre de ce nommé-là, et ça nous dit dans quel sens? Et c'est que la population de la mission, tout opérateur économique, va savoir que va créer ma source, va créer ma emploi, c'est-à-dire que pour ça, la queue, va mettre à quoi embaucher la population de la mission, que ce soit dans le niveau de ma garage, que ce soit au niveau de ma maison commerciale, à tous les niveaux. Qui est tout le cas pour créer un emploi. Si on crée un emploi, on a pour ça là, que la population de la ville a un peu pour ça. Il n'y a pas propre moyen, il y a bien tout un moyen de la population. Il y a une initiative privée. Nous, on facilite les initiatives privées. Ok. Donc, on a une population à créer un emploi. Parce que c'est l'emploi qui est la source et la source de développement. Ceux qui population ont un emploi, et pour ça, la pas de développement. Alors, comme de nous, pour que soit relaté, nous faisons de notre mieux pour faciliter la montage, pour créer l'emploi, pour nous communiquer à la population de l'Isso. Aïe, bah, pour ça, la moussala. Et ce que vous faites, c'est la moussala, nous avons des bandes de l'Isso, nous avons des bébés, et qui basent sur la taxe, et pour ça, la qui est, nous avons aussi un gars qui est l'Isso, bien à niveau de l'Isso, tout le monde pour créer, et bien, nous avons un niveau de l'Isso, la possibilité de l'Isso, pour nous communiquer avec l'Isso. La population est un exemple. Le col là. Pour mettre un bon bout. C'est un supermarché. Il n'y a pas de supermarché. La station service est à la minute. Mais ceux qui ont des côtes dans la diaspora, par-ci par-là, les grands opérateurs économiques, les gens qui ont investi dans le niveau de l'alimentation, les gens qui supermarché. Et ceci permet d'approcher tous les gens en contact et en concertation avec l'opérateur économique. Pour relancer l'activité sur le plan économique, les gens ont besoin de ressources. Nous sommes dans un supermarché. Nous avons besoin de quitter la commune pendant qu'il y a des ressources. Ce qui n'est pas du tout normal. Et puis, ceux qui ont continué dans l'artère secondaire, pour le développement de la balabala. Nous avons un exemple de la balabala Mafuta. Mafuta, surtout, il y a un pâtissier à l'eau dans le quartier de Koro, au comité dans le quartier de Mongala. Donc, comment on a que moi, pour mon coup, il fallait que je boive à pont pour aller à la rivière pour boire et que les gens ne ça. Ok. Pour ceux qui ont dans la commune, ils ne sont pas bien. Ils sont obligés pour la vie. La commune, la ville, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Mais ceux qui sont bien, pour créer un emploi, moi, je vais taxer ce côté de la commune, Pour ça, moi, je vais prendre. Pour ça, je vais faire un moto, je vais faire ça. Pour que je vais faire un moto, je vais ça. Donc, ils ont mis sur la population par rapport à la tribu populaire, autres comptés pour ça et ça. Et là, il y a un budget participatif. Donc, il y a pour vendre tout ça et ça, mais il y a un pour faire développer la population. Les lots, vous avez déjà macadam et associé Koti, Bozo, Bounsa Balabala, moi, Mouké, Mouké. Quels sont d'autres projets où vous avez le lobby pour la commune et à Bumbo? Bon, bah projet, c'est un nommé, notamment, nous avons tous les zones de Samakambitali et l'électrification en premier. Nous avons pour parler, la bande de Koyasnel, puis nous avons une bande de Bandi, par contre, avec le bazar pour la Bisso. En tout cas, bah, ça l'effort, bah, nous avons relancé l'électricité dans la partie de la commune à Bumbo. Pour tous les années, dans le centre de Niasnel, on a la commune à Bumbo. Côté Abina Kambata, on a la frontière à Selemba, on a Bumbo. Bah, mais quand côté Abina Kambata, on a basé un projet moko, on a quelqu'un qui veut lancer, on a bah, mais pour renforcer la cabine, bah, tiens, sur le courant à payer, de manière que bisogne surtout à la courant pour courant puisque les alliés et facilite à Kamakambu et Bélé. À part ça, tout le monde veut lancer, puis ma Kambata Limaï, régie des eaux, bah, tu es un monsieur comme il fait juste, donc il s'engage, bah, mais café pour relancer. Le canal où on est à Maï, pour Maï, il faut être à la côte commune à Bumbo. Pour le reste, Makambouza est vraiment révélé, mais surtout Makambouza pour toucher vraiment l'intérêt de la population, l'intérêt de la primaire primordiale. Donc voilà un peu ça. Et puis à part ça, tout ça peut être dans le cadre de la partenariat, la commune de Moussousou, qui est dans le Calibanda. La bande titulaire de l'Auta qui est voyage moro dernièrement en Belgique pour ça la lancement de la Corona. Dès que la commune a pour ça la partenariat et la bande de Kobaza du Banda,
Toti kolanda bongo l'excellence monsieur Yves Mandika, le bourgmestre adjoint ya commune ya Bumbu, oyo tout au long ya entretien na biso alobeli mingi o etali développement ya commune ya Bumbu. Chikoki bozo mona thème na biso zali bien intitulé ko tombola commune ya Bumbu, to désenclavement ya commune ya Bumbu. Ça l'appelle au cours la commune où ils ont déjà développé na quatre villes province ya Kinshasa. Et c'est ngali koyeba ke Bumbu ezali moko ya ba commune où ezali na district ya Funa. Funa ezali bongo na quatre ya centre ville ya Kinshasa. Alors na masolo na biso mingi ba yena sima ba yebite oyo nini excellence Mandika Yves apesa ki pona ko tombola commune na ye où ezali deuxième personnalité na quatre na yango. Ezali bongo 1 ya ko éradiquer phénomène ya kuluna, ezali bongo 1 ya ko désenclaver ba route ya commune ya Bumbu pour route pepe saka lokola développement na kati ya secteur moko bien établi, ezali bongo ya ko futa ba taxe pour na ko futa pako ya ngonde ko sala ke commune wana pe ezwa développement na makambo ebele. Pe souci na yepe ezali bongo ya ko changer mentalité sur tous les plans na oyo etali population bumburoise en particulier. Alors ezali bongo balobaka exemple ya suivre po eko sala ke mingi oyo bayeba kite to bazala ki na société ya botombolisi commune bango sika bavandi eko pesa bango courage wana ya ko sala ke commune yango ekende pe liboso. Tout le monde a quand même gombé, ba intellectuel, ba zali, ba lena, ba rumbu, na commune ya Ngaliema, Bandal, pour nous citer que wana, commune ya Bumbu pe, na entretien ya excellence Yves Mandika, et ça na batu mingi o ba zali riche, et ça na batu mingi o ba zali na mayele, et zali batu mingi o ba zali na souci, ya ko sala ke commune yango ekende liboso, mais nini o décourage ya kabango, et zali bongo changement ya mentalité. Donc, bana ya Bumbu, tozwa bonne conscience, yako longola un peu ba équivoque moko nocturne ba élément moko obscur po commune na biso pe lelo ekende liboso pe etanga malokola ba commune mingi bozala ki mingi devant ba poste télévisaire na bino yako landa bongo magazine Le Parcours oyo yambaki la deuxième personnalité ya commune ya Bumbu na kombo ya excellence Yves Mandika mingi pe bozana posa ki magazine oyo e atteindre bino sika bozali bo hésiter te kobenga biso na ba numéro oyo ezali bongo affiché na ba écran na bino voire même na appel normal to na WhatsApp bokozwa biso to kosolola po to pesa visibilité ya commune na bino na kati ya ville commune province ya Kinshasa je dirais pe partout oyo bino bozwami. Ratel ke zali bongo na easy sur 353 et zali bongo na ternité sur 44 pe et zali bongo na canal plus sur 353 lokola. Merci beaucoup na Saint-Denis le père de Chimo zala ki sima ya caméra ya ko frère biso ba belles images. Un grand merci encore na directeur général pe na suite na yemo bimba ya ko sunga biso magazine Le Parcours tokwe ya na monde entier pour nous laisser un peu qualité à radio-télévision kimbangiste. Merci beaucoup, Nabino Banso, Oyo Bozala qui est belé, Yakolanda Bisso. Prochain rendez-vous, Ezali Bongo, jeudi prochain, Nangongaya, 22h10, pour rediffusion, mercredi Nyonso, Nangongaya, 13h10, sur la radio-télévision kimbangiste. Restez branchés et on se retrouve à la semaine prochaine, sur la même chaîne et sur le même heure.